Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends la parole pour nouveau parti anticapitaliste. Je ne vais pas faire très long, de toute façon, dans la même veine que les précédentes interventions. On a raison de se mobiliser. On a raison de se mobiliser ici à Grenoble, mais dans une mobilisation qui est en fait bien plus large, qui est une mobilisation internationale dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des villes, en Afrique, en Asie, en Amérique. Il y a des manifestants, il y a des travailleuses, des travailleurs, des jeunes qui relèvent la tête et qui disent que c'est pas possible ce qui se passe en Palestine, que c'est pas possible que la colonisation elle continue et que ces massacres quotidiens ils doivent cesser et qu'ils peuvent pas se faire en notre nom. Donc on a raison de se mobiliser le samedi en manifestant en ville, on a raison de se mobiliser la semaine sur le campus en organisant des manifestations, en organisant des assemblées générales pour arriver à discuter, à comprendre de manière précise la situation, où est-ce qu'elle en est, quels sont les leviers pour exprimer la solidarité avec le peuple palestinien. Et pour nous, ONPA, dénoncer la politique criminelle de l'État d'Israël, de Netanyahou, c'est aussi dénoncer le soutien des puissances, des grandes puissances, des impérialistes, des pays qui dominent cette planète et qui permettent le massacre qui a lieu à Gaza. Donc c'est dénoncer la politique de Macron, dénoncer la politique Biden. Et vous avez vu, il y a une petite musique à laquelle on est obligé de s'affronter depuis le début de cette mobilisation, c'est qu'on t'explique que si tu soutiens le peuple palestinien, alors au début, eh ben, tu étais un soutien des terroristes. Bon, ils ont même tenté d'interdire des manifestations. Pour un certain nombre d'entre nous, on a bravé ces interdictions jusqu'à réussir, dans le cadre des tribunaux, à faire sauter ces interdictions parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas encore toutes les armes pour interdire les manifestations, l'expression collective de revendication. Mais il y a une nouvelle musique depuis maintenant 15 jours. C'est que le gouvernement, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, ils essaient de nous diviser et de continuer à criminaliser le soutien au peuple palestinien en expliquant, et c'est très grave, parce que nous, on pense que le gouvernement, en faisant ça, ils sont également responsables de la montée du racisme, de la montée de l'antisémitisme, qu'en fait, si tu ne manifestes pas derrière eux, c'est-à-dire si tu ne manifestes pas derrière ceux qui soutiennent la politique du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, et si tu ne manifestes pas, y compris aux côtés du Rassemblement national, y compris aux côtés de certaines milices fascistes, eh ben, tu serais antisémite. Bon, nous, on pense qu'ils ont une responsabilité importante dans la montée du racisme dans notre société. Si tu tires un trait d'union entre le fait d'être juif et le fait de soutenir une politique criminelle qui est celle de l'État d'Israël, eh ben oui, tu es responsable d'une certaine manière de la montée du racisme et de l'antisémitisme. Donc, ils essaient d'utiliser ce chantage. Nous, on est en train de le subir au niveau de notre organisation politique. On fait des réunions publiques régulièrement. La prochaine doit avoir lieu demain soir sous le titre Israël assassin, impérialiste complice, qui est un slogan qu'on reprend dans les manifestations. Le copain de l'UEG a commencé par un slogan similaire à ce rassemblement. Et il y a une tentative de criminalisation, donc notre réservation de salle a été annulée. Le CRIF a demandé à la préfecture et à la mairie de Grenoble d'interdire cette réunion pour troubles avérés à l'ordre public. Bon, ils essaient de faire peur, ils essaient de gesticuler, ils essaient sûrement aussi de nous diviser dans le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Nous, ce qu'on réaffirme aujourd'hui comme tous les jours, c'est que, eh ben, on n'a pas peur, on ne se laissera pas mettre au pas et que, bien évidemment, on communiquera dans l'après-midi, mais on va maintenir cette réunion, même s'ils tentent de l'interdire, et on appelle à la solidarité la plus large possible. Et je conclurai sur le fait que, comme dans l'ensemble des mobilisations, on ne peut compter que sur notre propre force. Et notre propre force, c'est la force de notre camp social, celle des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse, qu'elle soit scolarisée ou non. Donc l'heure, elle est à amplifier la mobilisation. On n'a pas besoin juste de gens qui viennent manifester, on a besoin que les dizaines, les centaines de personnes qui manifestent deviennent des militantes et des militants de la mobilisation, des militantes et des militants pour l'arrêt des massacres à Gaza et pour la libération du peuple palestinien. Merci.